Dans le monde, deux tiers des bébés sont portés après leur naissance. Une pratique qui prend de l'ampleur en France. Les bienfaits pour l'enfant sont multiples. Sentiment de sécurité, bon développement de sa colonne vertébrale. Depuis janvier, l'hôpital de Moulins propose donc des cours pour apprendre le portage. Anne-Claire Huet et Stéphanie Vinot. La moelle va te porter. Alors, tu viens ? On passe les petits pieds d'abord. Depuis la naissance de son fils il y a 3 mois, Isaline est une adepte du portage. Les premières fois où je l'ai porté, j'ai retrouvé des sensations de femme enceinte. J'avais l'impression qu'on ne faisait qu'un avec mon enfant et que j'étais encore enceinte. Au début, ça fait vraiment cette sensation, quand il bouge, on recrée le cocon où on était tous les deux avant. Donc ça apporte déjà ça. Et pour lui, c'est vrai que dès qu'il y a un bruit dans la rue, dès qu'il se passe quelque chose, il est protégé, donc il n'a pas peur. Il est très calme en écharpe. Mais c'est un art qui ne s'improvise pas. Isaline a suivi les cours dispensés par Fanny Sagéran à l'hôpital de Moulins, des cours entièrement gratuits. Je fais le nœud sur moi pour vous montrer comment on fait. Je décortique tout, je vous explique tout. Et après, on refait tous ensemble. Bref, un peu d'entraînement s'impose avant de maîtriser le geste. À l'heure actuelle, on voit beaucoup de choses sur YouTube, des vidéos, tout ça. Et généralement, les parents qui veulent se lancer en portage, c'est un peu le premier endroit où ils vont chercher. Et on ne trouve pas toujours des bons modèles. C'est bien de porter son bébé, mais il faut le faire en respectant des consignes de sécurité. Car les risques existent, faire tomber l'enfant ou bien qu'il s'étouffe dans l'écharpe. C'est ce qui a poussé Déborah à s'inscrire à l'atelier avec son conjoint. Pour apprendre à bien faire les choses, ce qu'on a tendance à voir pas mal à la télé, ou d'entendre des matériaux de portage, et je voulais vraiment adapter la bonne méthode pour mon bébé. Le portage séduit de plus en plus. Pour le moment, Moulins est la seule maternité de l'Allier à proposer ses ateliers.